Et bonjour tout le monde. Welcome. Je sais pas si vous voyez. Je zoomerai. Donc rien d'exceptionnel. Hein. Ni de frelons. On fait attention parce qu'il a plu tout à l'heure. Ils entendaient des petits bruits. On va essayer de ne pas glisser. Des petits bruits. Et en fait, j'ai décidé de filmer. Parce que je pensais que le nid, il était vraiment... Donc c'est du frelon européen. Donc logiquement, le frelon européen fait des... Et regardez ça. Vous avez vu comment c'est curieux? Il est au sol. Et en fait, on peut juste le prendre. Je pense que peut-être qu'il est tombé. Vous avez vu le bébé là? Bon, je l'ai traité déjà un peu. Ah, c'est bon, j'ai les odeurs qui vont bien. Donc, ouais, je vais vous poser le bras. Ça va être le nid le frelon le plus facile à enlever. Regardez ça quoi. Donc moi, grosse... enfin, une grosse attaque. Il m'attaque les loulous quand même. Donc ce qui est bizarre c'est que ben, il est au sol. Enfin au sol, il est pas vraiment au sol hein, mais... Ouais, ça. Je pense qu'il est tombé. Donc ils l'ont quand même fermé. Donc je le laisse. Je peux le prendre à la main. C'est dingue. Donc bon, je le laisse en place pour qu'il revienne au nid. Se contaminer. Donc il faudra changer la laine de verre dessous hein, parce qu'il est vraiment. Là j'ai du monde. J'ai les bonnes odeurs. Donc ça peut faire des asticots parce qu'ils font les dessous là. Regardez, par terre là, le truc noir là, c'est plein d'asticots. Donc ça faudra vraiment bien le désinfecter. Je commence à voir avec lui sur les lunettes. Donc frelon européen, je pense que le nid il devait être accroché dessous là. Et ça a dû bouger, pouf, il est tombé. Et les gens voyaient un aller-retour vers la haie. Mais bon. Frelon européen. Donc là, il faudra vraiment faire attention. Donc les déchets qui sont dessous peuvent tacher la savane encore, mais ça peut tacher le plafond. Donc il faut vraiment faire attention. Là, vous n'avez pas l'odeur. Incroyable. Donc là, un ballon de basket, un bon gros ballon de basket. Et la punaise. Youpinaise. Nid de frelon européen. Voilà, encore un nid traité. Qui sont en train de faire des travaux. Je sais pas si on arrive à bien voir. Il y en a quelques-uns qui m'attaquent, mais ça va, c'est pas. J'ai connu pire avec eux. C'est rigolo. Il faut bien faire attention aux allers-retours d'un point fixe. C'est ce qu'ils ont repéré. Donc avec la haie, ils se sont méfiés. Et en fait, le monsieur, il a commencé à vouloir des tuilés. Il a vu que ça tournait pas mal. En fait, il sortait par le chapeau, tout simplement. Par le chapeau qui est ici. Donc du coup, voilà. Il a préféré refermer. Et appeler un professionnel. Là, pour eux, j'existe plus. Et hop, on les voit rentrer. Il rentre par ici en fait. Et voilà. Bon, il y en a qui sortent parce qu'ils sont contaminés. Voilà. Allez. Belle.